toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire quelques modifications, apporter des AB à une toile. Et pour ça, eh bien, j'avais besoin de AB, clairement, parce que c'est une toile en diamant carré et que jusqu'à maintenant, je travaillais surtout sur des toiles en diamant rond. Donc, au niveau du diamant rond, j'ai quand même beaucoup de choix. Mais au niveau du diamant carré, eh ben, j'en ai beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Du coup, on va faire des changements sur une toile de chez DAC. Je vous mets à l'écran l'image. C'est une toile magnifique, c'est So Many Books, So Little Time. Et en fait, je voulais apporter des AB au niveau des petites billes qui sont en bas de la toile. Et du coup, j'avais pas les bonnes couleurs. Voilà. Donc, la compagnie One Day Saving m'a proposé de faire un choix. Et j'ai choisi des AB. Voilà. Donc j'ouvre juste le paquet pour pas que vous ayez le bruit du plastique. Alors, ça vient donc dans le sachet gris. C'est arrivé en moins de 2 semaines. Et du coup, sur le site, vous avez 2 lots. Vous avez le lot A et B pour les diamants carrés et le lot A et B pour les diamants ronds. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans chaque lot, en fait, vous avez 35 couleurs. Pour environ 10$, voilà. Moi, pour le coup, j'ai pris le set A des diamants carrés, vu que c'était ce qui m'intéressait. Je vais juste enlever le plastique. Alors après, l'avantage sur le site de One Day Saving, c'est que vous avez, bah tiens, je vous mets à l'écran maintenant, vous avez la photo avec les DMC que vous avez dans le set A et dans le set B. Donc ça vous permet quand même de savoir qu'est-ce que vous allez recevoir. Au moins comme ça, vous êtes à peu près ok si vous cherchez certains types de couleurs. Moi, je me suis dit que là, dans ce set-là, il y avait quand même pas mal de petites couleurs qui m'intéressaient. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Alors, c'est intéressant parce que sur les sachets, vous avez le code DMC. Allez, on se focus là où on veut. Voilà, vous avez le code DMC. Donc ça, c'est cool. Après, le 5, je présume que c'est pour 5 grammes. Et le 4, c'est que là, c'est la couleur numéro 4 dans le sachet. Après, j'ai le 5 qui est du 209. Je vais essayer de les mettre un petit peu dans l'ordre parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir là-dedans, moi. Si on y arrive. Alors, ça, ça fait partie des 20. Là, j'ai 15. Là, j'ai des 30, des 20. Je vais faire ça. Vous savez quoi? Je vais déjà faire un pré-shot de tri. Et puis après, je vous reprends. Alors, du coup. Donc, on a. Hop, ce qui va se focusser. Voilà. Donc vraiment, dans tous les sachets, vous avez toujours la même chose. Donc là, c'est sur 35 couleurs, le code DMC et le grammage qui sera le même pour tous les diamants. Donc, on a un beau rose, on a une teinte de bleu, on a un gris pâle, on a 2 teintes de violet, on a du noir et un gris. Bon, comme vous voyez, le AB, c'est la couche nacrée qui est dessus. Donc, on dit AB pour aurore boréale. Et du coup, évidemment, sur du noir, ça dénature totalement. Vu que normalement, on devrait avoir du noir au niveau de la couleur. Et que là, on a des bleus, verts. Ça dépend comment vous le regardez. Donc, ça dépend où vous voulez en placer sur votre toile. C'est pas forcément dit qu'il faille en placer de partout. Sinon, ça va un petit peu dénaturer ce que vous voulez vraiment faire. Ensuite, on a encore un violet. Focus-toi. Un violet et un gris foncé. On a 2 beaux oranges. Décidément, hein, le focus, il n'a pas très envie. On a un gris très pâle et un bleu très pâle. Ensuite, plutôt caramel et un brun. Encore un petit caramel et un bleu bien vif. 2 bruns. Franchement, ils sont beaux. Hein. Je suis en train de regarder en même temps, mais ils sont beaux. Je vois pas trop de sachets abîmés ou quoi que ce soit. Donc là, on a un gris ultra foncé et un vert. Ensuite, on a un brun et un bleu foncé. Ensuite, on a 3 teintes de rose. On part sur du rose un peu plus foncé. Celui-là, il est beau.
On a du blanc, c'est du 3865. Ensuite, on part sur un brun bordeaux clair, je dirais, un violet. Et après, on a trois teintes de bleu et une teinte de jaune. Donc, hop, je vais mettre un peu plus loin. Boop! C'est parti un peu trop loin, limite. Voilà. Donc là, on a pour ces couleurs. Et là, du coup, on va aller faire des petites modifs sur la toile. Parce que je me suis dit que ça pouvait être tentant vu qu'à cet endroit-là. Vous savez, c'est une très vieille toile. Je veux dire, je l'avais prise en 2021. Je pense qu'elle était même déjà sur le site avant. Et du coup, à l'époque, ils ne mettaient pas vraiment beaucoup de AB dans les toiles. J'en ai deux de prévu, mais en fait ils sont placés à certains endroits, puis il n'y en a pas vraiment partout, et là dans les billes, bah, je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc on va aller faire ça, mais d'abord je vous montre un petit peu comment je range normalement mes AB. Donc normalement mes AB ils sont dans ce système là, donc c'est le système Ardott avec les 9 cases, et dans chaque case vous avez du coup des petites bouteilles. Là c'est des strass spéciaux en diamant rond. Là, il y a encore des strass en diamant rond. Là, pour le moment, il n'y a rien parce que j'ai prévu quelque chose d'autre. Là, on a du AB en diamant. Ouh, pardon. On a du AB en diamant rond, du blanc au rouge, du rose au violet et du bleu au vert. Et en fait, là, vous avez ce qui est destiné au carré. Et pour le moment, j'ai uniquement ceux avec des petites paillettes, les strass et les AB. Et comme vous voyez, les AB, bah, j'en ai pas non plus des masses. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait la petite commande qui est là. Et maintenant, on va aller placer ça sur la toile. Alors, le changement que j'aurais voulu effectuer, c'est sur la petite bille qui est là. Et normalement, on a des couleurs un peu jaunes, un peu comme dans les cookies juste à côté. Du coup, je trouve ça un petit peu dommage que ça fasse pas plus bling-bling, on va dire. Surtout que dans ce niveau-là, j'ai vraiment aucun AB. Le premier AB, est-ce que vous le voyez? Ouais, c'est le AB vert, il est dans le petit dragon. Et du coup, je me suis dit, ok, on va changer ça. Alors, comment je fais pour mes changements? Je sors les couleurs qui normalement sont prévues de base. Donc là, j'avais celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ça, c'est les couleurs que eux, ils ont prévues à la base. Hop. Donc là, le but, quand je les sors comme ça, dans les systèmes Ardott, c'est exactement pareil. Je vais essayer de regarder par rapport à la couleur, pas forcément par rapport au code DMC, parce qu'il y a des fois, c'est pas forcément. On va pas forcément trouver pile la même chose. Là, par exemple, la flèche, c'est du 728. Je n'ai pas de 728 dans le lot que j'ai pris. Mais par contre, je vais essayer de regarder dans les jaunes qu'ils m'ont envoyés, si j'ai quelque chose qui peut aller avec ça. Là, dans le jaune, j'ai que celui-ci. Et franchement, si je les mets l'un à côté de l'autre, vous voyez qu'il n'y a pas véritablement une grosse grosse différence, quoi. Donc là, j'ai un AB 742 et de base, logiquement, je devrais avoir du. Je vais quand même vérifier que ce soit ça. Normalement, c'était du 728. Bah là, je vais pouvoir placer celui-ci pour remplacer sans aucun problème. Maintenant, je fais exactement pareil avec ces deux-là. Là, franchement, dans les bruns, j'en ai pas mal. C'est pour ça aussi hein, que j'ai pris plutôt ces couleurs-là. J'ai celui-ci qui pourrait à la limite jouer. Ça, c'est trop foncé. Ça, c'est trop foncé aussi. Ouais. J'ai celui-là qui pourrait être pas mal, hein. Et celui-ci, du coup, est-ce que je remplacerai? Parce que là, j'ai celui-là. Celui-là, c'est déjà pas mal. Le but, c'est pas non plus d'essayer de remplacer tout. La partie jaune que vous voyez là, parce que sinon ça va faire too much à la force. Mais le but c'est d'essayer d'apporter juste un tout petit peu. Et là je me dis, le A c'est la couleur que j'ai le moins sur les petites billes. Donc du coup je vais l'enlever. Et du coup il me reste ces deux-là. Celui-là je vais trouver un remplaçant et il y en a quand même pas mal. Je vais essayer de vous mettre un tout petit peu plus près pour que vous voyez. La petite bille. Comment on va faire ça? Ok, bon. On va faire ça comme ça.
juste pour vous montrer la petite bille. Ok? Voilà. Donc sur cette petite bille, vous voyez que la flèche, j'en ai vraiment déjà pas mal. Donc est-ce que ça sert encore à mettre plus de quantité? Je ne suis pas sûre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter sur une seule couleur. Ça ira très très bien. Comme je vous ai dit avant, le but. Attends, on va vous mettre comme ça. Vous êtes un peu penché, mais au moins comme ça, vous verrez ce que je fais. Le but, c'est pas forcément non plus de tout remplacer, de trop apporter de AB. Ça sert strictement à rien. Le but, c'est vraiment que ça soit joli et homogène à regarder et que ça en fasse pas trop. Je vais juste placer les couleurs basiques qui me restent et après, je vous reprends pour la pose du AB. Voilà, comme ça, j'ai plus que le remplissage avec le AB à faire. Donc, hop, on va prendre ça. On va essayer de vous montrer déjà la qualité dans le plateau. Hop là, focus-toi. Oh là là, ils sont beaux. Ah ouais. Ils sont bien alignés, bien droits. Ça peut pas dans tous les sens. Il n'y a pas des trucs qui débordent partout. Il n'y a pas des excroissances. Ils ont l'air d'être tous bien alignés. Si je prends la ligne qui est là, il n'y en a pas un qui dépasse par rapport aux autres. Ça, c'est ultra cool. Donc déjà, très très bon point, la qualité. Ensuite, on va placer ça et on va voir par rapport aux autres diamants. Ah ouais, c'est top. C'est top, c'est top. Ça rentre très très bien. Alors, j'ai réussi à prendre donc par deux. Sans. Bon, évidemment, t'as pas envie de rentrer. Parce que t'as un diamant à côté qui est pas très bien mis. Maintenant, par. Attends. Hop là. Par deux, ça passe. Si je veux venir là et que je veux prendre par trois. Par trois, ça passe pas. Mais par deux, ça passe. Donc pour ceux qui travaillent à la pince, on arrive très très bien à les prendre par deux sans problème. Par contre, par trois. En tout cas là, honnêtement, j'y arrive pas. Mais par deux, sans souci. Et je vois que franchement, ça dénature pas du tout la couleur. Comparé à ce que moi j'aurais dû poser, hein. Ça dénature pas du tout la couleur. Ça vient juste apporter une toute petite couche dessus, un tout petit bling bling de plus, et franchement c'est très joli et ça se place très bien. Ça dénat enfin ça pop pas par rapport aux couleurs d'à côté qui pourraient être trop serrées, trop ci, trop ça. Je rappelle que je travaille sur une Diamond Art Club, hein, donc ça se verrait assez facilement, mais là franchement, et vous voyez parce qu'il y a la tablette lumineuse, hop là, plus de tablette. Donc là, si je viens prendre ma petite bille qu'on a fait, donc vous voyez qu'il y a un tout petit reflet dessus comme ça là, qui est le reflet du AB, mais franchement, ça dénature absolument pas le reste, parce que ce qu'il faut, bon là je vous ai approché de très 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 près, hein. Mais ce qu'il faut, c'est juste que ça fasse joli en fait, et là c'est exactement ce que ça fait, ça dénature pas, ça fait joli, et franchement c'est très très bien. Et ils ont l'air vraiment top. J'ai juste essayé une autre couleur avec vous. Juste voir si tous ont approximativement le même type de qualité. Hein. Donc je prends. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, je prends une couleur au hasard. Hein, parce que j'ai pris du 798. Je vais pas tous les faire là avec vous. Mais franchement, celui que j'ai testé, la pose était nickel. Les diamants, ils s'alignent bien. Alors, hop. Ouais. Non, franchement, moi, je vois rien de. J'essaie de les voir un peu plus près. Hein. C'est pour ça que je les éloigne de vous. Mais vous savez quoi? On va essayer le 310. Parce que je me dis qu'avec ce plateau, le 310, il va bien bien sortir. J'ai un diamant qui a fusé. En mode, allez, au revoir, merci. 310 ou même le 939, c'est deux couleurs qui habituellement. Ah, puis il y en a un qui veut rester dans mon plateau. Ben non, Coco, tu vas avec tes copains.
Et puis 5 grammes, ça fait quand même déjà une sacrée quantité, hein. Hop là! Ah ouais. Ouais. Ils sont beaux et ils s'alignent bien. Et franchement, là, dans les lignes que j'ai, là, je vais prendre ça, hein. Dans les lignes que j'ai, je vois qu'ils ont tous exactement la même taille. Donc, il n'y en a pas qui sont taillés en mode plus gros, plus petit, plus... Non, ils ont tous la même taille et ça, c'est vraiment cool. Parce que si vous tombez sur des AB qui n'ont pas tous la même taille, puis après, pour les placer sur votre DP, c'est la galère. C'est vraiment pas ce qu'il faut. Donc franchement, très 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 contente. Et comme je vous dis, bah là c'est le lot numéro 1. Et vous avez les... Bah vous savez quoi, sur la photo du site, c'est pas marqué lesquels sont le lot 1 ou 2. Mais bah la première photo, c'est le lot 1. C'est celui qui a du 3865. Ça c'est le lot numéro 1. Et celui qui a du 5200, c'est le lot numéro 2. Donc franchement... Très très agréable de pouvoir avoir autant de couleurs de AB pour pouvoir faire tout soudain des remplacements sur d'autres toiles. Mais là en tout cas, ma petite bille, elle est toute mignonne et je suis contente d'avoir trouvé les bonnes couleurs dans ce lot-là. Et peut-être que je reprendrai l'autre lot parce que c'est comme je vous dis, à 10$, 35 variétés de AB, c'est vraiment pas cher au niveau de ce qu'on peut trouver au jour d'aujourd'hui. Surtout avec des belles quantités comme ça. Et surtout que la qualité, elle est au rendez-vous. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse en lien, enfin je vous laisse en descriptif de cette vidéo le lien pour cet article. Et je crois qu'il y a un code promo, je vous le laisserai dans le lien. Moi, ça me rapporte strictement rien, mais en fait, c'est juste parce que vous, comme ça vous fait un petit pourcentage, un rabais sur votre commande, etc. Et eux, ça leur dit, si vous l'utilisez, ça leur dit un peu de quelle vidéo ou de quel youtubeur vous venez, enfin voilà quoi. Il y en a un petit peu de partout, mais franchement, ce qui compte, c'est de trouver son bonheur. Et là, franchement, je suis ultra contente avec ça. Il me reste plus qu'à les ranger dans les petites boîtes, mais... C'est franchement cool d'avoir autant de choix pour pouvoir faire de nouveaux remplacements. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. Et puis n'oubliez pas le petit chocolat!